Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios, la CS.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Puissance Max. Vous avez vu, j'avais ouvert ma deuxième chaîne concernant les pronostics hippiques. Pourquoi une autre chaîne sur les courses hippiques? Un peu pour vous donner un petit peu plus d'informations, bien sûr, des informations qui seront très très courtes. C'est un peu pour dégorger cette chaîne hippique. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les courses hippiques et sur le KT+, bah voilà, il suffit de vous abonner à cette deuxième chaîne YouTube et c'est entièrement gratuit. Le lien est toujours en dessous de la description de cette vidéo. Pour notre mercredi 2 novembre, nous allons aller sur l'hippodrome de Chantilly dans une course qui va pas être facile du tout à trouver. Réunion 1, course 3, distance très très courte de 1300 mètres. Je peux vous dire que ça va aller très très vite, 16 au départ. Ça va être une fois parti, il y a un virage à faire et une ligne droite et ils sont arrivés. Donc je pense que les numéros de corde vont être très 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 importantes. Je fais ma sélection. Voilà. Après il y a même un cheval qui n'est pas le cheval de tout le monde dans une sélection à la fin de ma sélection, mais qui peut venir faire pimenter les rapports. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 9, Louis Steve, qui sera mon cheval du jour pour ce KT. Il est des plus réguliers, c'est lui qui avait gagné la course l'année dernière. Donc, pourquoi pas. Je l'ai mis en tête de ma sélection, même si avant j'avais dit que les numéros de corde seraient très importants. Mais lui, c'est la régularité faite cheval. Donc, dans le KT, j'y crois beaucoup. Après, pour la gagne, on verra bien. Je lui oppose le 3, Azov. Lui vient de gagner sa course dernièrement. Tous les feux sont au vert. Et lui aura un très, très bon numéro de corde. Parce que, demain, je vous dis, hein, ça va être très important. Le 6, Ozane. Ah, lui, j'ai peut-être placé ce cheval assez haut dans ma sélection. Mais j'y crois beaucoup pour une très belle place, parce qu'il a la corde 1, et avec cette corde 1, il peut aller très très loin, mes amis. Le 5, Chalali, sera mon très joli coup de cœur pour ce quintet. Il aura un bon jockey avec lui, alors, pour une belle place, hein. Alors, mes 4 bases pour notre mercredi, le 9, le 3, le 6 et le 5, le 11, Lily Rose, elle est dans son ensemble très régulier, elle a le droit de venir prendre une très 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 belle place. Le 7, Total Knockout, mon coup de folie, je termine ma sélection, comme je vous l'avais dit en préambule, par un cheval que je ne vois pas. Pratiquement pas dans une sélection, mais qui sait. Le 8, Territory War, mon coup de poker pour ce cheveu, ce quartier, peut venir prendre une place avec une très 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 belle cote. En cas de non partant, le 4. Mon cheval du jour, le 9, mais de base, le 9 et le 3. Mon très joli coup de cœur, le 5. Mon coup de folie, le 7. Et mon très très gros coup de poker, le 8. Mais 2 sur 4, le 9, le 3 et le 6. Mes couplets gagnants placés, le 9, le 3, le 6 et le 5. Je répète ma sélection. Le 9, le 3, le 6, le 5, le 11, le 7 et le 8. Voilà, ça est terminé pour ma sélection pour notre mercredi. Attention, un KT très, très difficile à trouver. Retrouvez ce pronostic sur la radio LaCS.fr, sur la radio RDC.fr. Allez faire aussi un tour sur mes autres liens partenaires de radio. Toujours très important. Merci pour les commentaires que je reçois. Cela me fait toujours très, très, très plaisir. Sur ce, mes amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon des courses.